Salut à toutes et à tous, ici Calion, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 16 de notre aventure sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ce sera certainement la dernière partie, c'est-à-dire la partie 5, ok, je vise un peu trop loin là. La partie 5 de la saga spéciale, cette fois nous allons subir l'attaque du dragon, c'est-à-dire l'attaque de Hildegard avec Tapion, le gardien de la fufu. De la boîte magique, donc c'est parti, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. A legendary hero is revived after a thousand years. However, the monster sealed in his body is revived with him. Goku explodes with a new special attack to stop Harutagard from destroying the town. Donc ils ont marqué boom et normalement c'est Hildegard, hein. C'est une erreur de script. Enfin d'écriture plutôt. Donc vous en faites pas, c'est normal. Allez, on va pouvoir affronter Hildegard dans la ville ouest. Allez, viens, on est bien, regarde tout ce qu'on peut. Aïe, on n'est pas bien au final. Ah non, non, on n'est pas bien du tout là. Tiens, mange. Non, mais t'as craqué. Ah, donc il ne perd pas de vie. Ok. Ouh, putain, c'était moins une. Super saillant aux cheveux longs. On peut rien faire pour l'instant, hein, qu'on se le dise. Je fais de la merde, c'est trop cool. Je fais que de la merde, c'est trop cool. En plus, ce perso de merde ne prend pas les dégâts, comme ça c'est cool. Oh là 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 là, plus cancer s'il vous plaît. J'ai l'impression de jouer à League of Legends et d'affronter un gros tank qui sert à rien mais qui fait mal quoi. C'est la même chose là. C'est un petit peu casse-pied. Genre de perso no brain qui fait chier tout le monde en fait. Voilà, là je vais te mettre des dégâts là. Mais bon, ça changera rien parce que tu fais trop mal et t'as trop de vie. Donc, voilà. En fait, ce perso Hildegard me fait penser à Shogun. C'est pour ça qu'il me saoule un peu. Allez, mange-toi ça. Voilà. Oh, genre, il a pas été expulsé. Oui, bah oui. Tiens. Moi, je m'en fous, hein. Clairement. Allez, mange mon point. Voilà. Bon, je vais lui mettre une barre au moins, s'il vous plaît. Soyez gentil, je sais pas. Je suis qu'un pauvre super saillant. Ouais, ok. Tiens, moi je lâche au moment où tu lâches le tien. Y'a quoi? Où il va venir? Où il va venir? Quoi? Genre? Mais pourquoi Bon, c'est pas grave. Au final, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai lâché une boule d'énergie au lieu de mon ultime. Tellement chiant ce perso. Allez, TG là. Tu meurs. Quoi? Oh mais please. J'ai compris. Ok, j'ai compris.
J'ai compris. Perso d'attarder. Je vais faire l'anti-jeu, c'est bon. J'ai compris. Non mais c'est vraiment frustrant, j'ai l'impression de jouer à League of Legends là. C'est genre tu domines un truc, et genre il revient et après coucou je te défonce. Yeah. Bon, on va faire de l'anti-jeu, c'est pas grave. Je sais que c'est pas très sport mais il y en a marre. En plus en difficulté 3 donc ma patience est à bout. Je vais faire un deuxième manu, ça ce truc, moi tu vas voir. Il m'en dira des nouvelles comme disait l'autre. Allez, come on bitch. En plus, je suis encore endormi là, c'est trop cool. Tiens, hop. Mec, si tu veux que je te maintienne à distance, y'a pas de soucis. Hein. Moi, je m'en fiche, je charge dans le vide, c'est ma passion. Ok, maintenant. Je peux avoir le R3 s'il vous plaît, non? Non, vraiment pas. Merde! Mais le R3 s'il vous plaît! Arrêtez de faire vos putes! C'est relou. Merci. Là, tu veux l'anti-jeu, mec, tu vas l'avoir. Hein. Clairement. What? C'était quoi ça? Ok. Quand personne me saoule. Il me saoule jusqu'au bout. Hein. Quoi? Non mais là il était dedans. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries, il était dans mon caméa là, il a pas tourné autour. C'est n'importe quoi. Mais je vais te faire le plus gros fils de ta vie. Tu vas rien comprendre. Allez, mange mon poing! Mange mon gros dragon! Hop là, y'a quoi? Bon, si je parle pas, c'est parce que je suis concentré. Ce perso me saoule au plus haut point. Donc voilà. It's over. Ah, bah on a fini la saga. Putain, on finit en beauté quoi. Un combat super chiant. Sur lequel on a galéré. Mais après j'ai éveillé mon skill. Woo! Tons of incredible fighters have appeared. I'm happy I got to fight with lots of people. You sure have saved my butt a lot, huh? I always thought we were done for, but you always came through. Bulma said that I attract bad guys. Goku, could it be that you're attracting battles? You were drawn into fighting and that's how Yamcha and I met you. That's what I think. Then the bad guys came and you kept defeating them one after another. Yeah. I absolutely won't lose. I'll leave it to you, buddy. There were many battles, and where there were battles, there was Goku. Does fighting attract Goku? Or does Goku attract fighting? Goku and the others' fight still continues. Donc là, on a quasiment terminé le mode histoire, en fait. Normalement, on est au 100%, si je ne dis pas de bêtises. Donc de ce fait, Wow! You cleared all the battles. That's really something.
We've been through many battles together throughout Dragon history. Man, I really love fighting. Thanks for playing all the way through to the end. Come back and play anytime. Fight in many unique battles, no matter which. Ouais, donc 100%, voilà, on a fait tous les scénarios. Donc avant de se quitter, ce qu'on va faire, c'est que... Je pense qu'on va faire un tournoi de championnat du monde. Et après, dans les épisodes suivants que l'on fera au fur et à mesure, nous ferons les Dragon Sim. Dragon Sim. Je crois que c'est là-dedans. Attendez. Non, c'est pas Dragon Sim. Non, ça c'est un truc très sympa. Enfin, vous connaissez sûrement. Non, c'est Mission 100 le truc. Ouais, voilà. Donc ça, je vais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai pas envie de le faire au même moment qu'un épisode de saga qu'on vient de faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller autour du monde et on va faire un des 5 tournois. Enfin 5, je crois que c'est 5. Hein. Ouais, 5. On va faire le grand tournoi. Mince. Difficulté 3. Ok, parfait. Et après, on se laissera, je pense. Hein. Et après, on pourra enfin commencer les deux let's play suivants. Et on fera de temps en temps les Dragon Sim. Dragon Sim. Non, pas la mission 100. Putain, je vais y arriver. Qui on prend? Un truc qui est beau jeu. MDR. Ah, je vous ai dit que je voulais jouer l'autre jour. On va le jouer donc. Allez, go. J'avais dit que je voulais jouer, je vais vous montrer comment on joue. Je ne sais absolument plus jouer, donc ça va être parfait. Mais n'ayez pas peur, hein. C'est pas grave. Ah, j'ai juste envie de dire RIP en fait. Ouais, comme Dabra en plus. Ah, il y a Boom à l'incarner. Ah, the hype. Bon allez, on est parti. On va les casser des bouches, on va les casser plein de bouches. Donc c'est un championnat, ce n'est pas le championnat dans l'arène. Allez, oh putain il est bleu, c'est un chinois. Ah bah lui aussi il est bleu. Boum. Ah. Ah, en train de surfer toi. Tellement stylé ce perso, sérieux, Jamemba quoi. Oula, l'animation un peu longue par contre. On fait un perfect ou pas les gens? Allez, c'est parti. Oh putain, j'ai eu chaud. Ouais, bon, le perfect c'est mort. J'ai pas visé. Mais viens! C'est quoi ton problème? What? Ah, il est plongé dans le vide. Merde. Pff, je me fous de sa gueule, mais je me prends des coups derrière, tu sais. Ok, maintenant c'est un tour. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis chez le faire. Hein. Ça m'a chargé mon énergie, je vais te montrer mon ultime. Sac à foutre. Olé! Regardez bien. Et le Shumaku. Boum! RIP. Bon bah le perfect c'était pas pour aujourd'hui. Ce perso est tellement cool. Oh là là. Surtout son épée quoi. Easy. Ok, contre vous. Après, je suppose que ce sera contre celle. Après, j'ai pas vu les autres. Tant pis, c'est pas. J'avais vu Slug et Goku Super Saiyan 1, je crois. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, on verra bien. Mon record, je crois que c'était 18 quand j'étais Jones. Ouais, bon, j'allais trop vite. Ah.
Oh oh. Oh, les dégâts. À mon tour. Eh, tu te gagnes? Le mec il m'a tapé tranquille là pendant 5 minutes. Allez mange. Oh lol. Attends, laisse moi tranquille. N'oublie pas de paralyser mec. Ok. C'était d'une nullité. What? Je t'ai pété sur place. C'était sympa. Allez, mange, j'aligne. Ah, ok. D'accord. L'animation qui prend pas trop de temps, on aime ça. Hypé. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, j'étais parti dedans. Je suis trop fort. Boum! Ça, ça fait trop mal, ça. C'est le swag absolu. Ah, il est tellement mort, il peut pas se retourner. C'est trop bien de finir des gens avec un ultime. Ça fait genre un finish him, en fait. RIP. Moi, je le préfère en violet, quand même. Pas en bleu, hein, au niveau du costume. Parce que là, il perd du charisme, je trouve, en bleu. Même si c'est un shiny, c'est pas grave. Ok. Ouais, contre Cell, bon ça c'était évident. Pareil que je vais jouer contre Slug après. J'en suis certain. Ça va être chiant. Bon déjà, là on va jouer contre un adversaire de taille. Hein, déjà, pour commencer. Après on verra. Je savais que ce serait celle, hein. Clairement. Ils m'ont pas gêné pour mettre les persos les plus pétés du jeu. MDR. What? Il s'est passé quoi là? Kata! Oh putain! Mange les rochers, c'est délicieux! Ouais, j'avais envie de faire l'ulti. Je veux juste voir combien ça lui enlève sans le mettre KO en fait. Je pense que c'est une barre et demie. Vu que j'ai pas d'artefact sur le perso là actuellement. Donc c'est possible. Ouais voilà. Une barre et demie. Donc si j'étais full Kiko à Fino. Tiens, prends ça. Bah mince, je peux pas charger à fond. Je pense que j'aurais mis un bon 2-1. C'est chiant mais c'est tellement long après. Non, je fais aucune allusion, vous allez vous calmer. Aïe, oui, aïe, oui, aïe, aïe, oui, aïe, oui. Ok. Tu m'as pris pour un bleu ou quoi? Apparemment. Moi je suis le guignol qui revient dessus à chaque fois. Yata! Mince. Ah, pfff. Là, mon cerveau il bug, je savais plus quoi faire. Je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est regardé et c'était l'amour. MDR. Ah, ça paralyse pas, ça repousse, très bien. Ok. Ah, et la téléportation. Ok, c'est l'autre. C'est L2, O et triangle. Cercle, pardon. Oh non, pas celle, parfait. Bon, il récupère pas trop de vie, ça va. Ok. Oh, il a ripé. Il a essayé de me grab. Putain, il rigole aussi bien que moi, lui. C'est cool, ça fait plaisir à voir. Je ne suis pas le seul fou dans cette planète. Enfin, sur cette planète. Voilà, qu'est-ce que je disais? Je m'en doutais. Quitte à mettre les adversaires les plus chiants, ils se gênent pas. Hein. Putain, c'est pas vrai, quoi. Slug. Je vais pleurer là. Bon allez, on y croit.
Allez Goku, mange. Tu peux y arriver, tu peux le faire. Au moins une pile. Ah! J'ai appuyé trop tard. Bon allez, essaye toi. Boum! Allez, mange-le toi s'il te plaît. Voilà. Oh, putain, ça fait laguer l'écran, j'ai rien compris. Enfin, laguer, non, ça c'est pour les connexions internet, c'est plutôt ramé. Mais arrête! Putain, c'est tellement ridicule quand il grabe. Je suis tellement petit dans ses bras que. Oh oh, il m'a bien bait. Oh le salaud! Aïe! Mince, je croyais que j'avais poursuivi. En fait, non. Bonjour. As-tu entendu la parole de Raptor et Jésus? Ah ouais. Ah, il l'a bien entendu. Putain, la vache. Non mais je perdrai pas, mec. Oula, le grab. Oh putain! Ok, j'ai compris, il va falloir que je tryhard. What? C'était quoi ça? Ah bon? Je suis mort. Ah, il est chiant ce slug. Bon, on a perdu. Sniff. Bon, néanmoins, on a fini 3ème. Normalement. Ah non, éliminé, même pas 3ème. On s'en fout, d'accord, ok. Ah, c'est nul. Bah écoutez. C'est sur cette magnifique défaite que... attendez, je réfléchis. C'est sur cette magnifique défaite que nous allons nous laisser. Parce que du coup, moi, je vais commencer à record pour Xenoverse, d'une part. Et de deux parts, je vais commencer aussi à... hein? Ah oui. Je vais aussi commencer à record pour Ratchet et Clank. Ratchet. Pff, Jack 3, pardon. C'est la fatigue. Pour Jack 3. J'allais dire encore Ratchet et Clank. C'est la meilleure. Donc voilà. Je vais juste vous montrer un peu ce que je vais équiper. Waouh, waouh. Ah, j'ai que ça! What the fuck? Ah, ok. D'accord. Bon. Mince, j'étais pas dessus. Les charges il s'est volé, il est trop fort. Hein? Pourquoi il y a des points d'interrogation? Ah, ça c'est cool ça! Là il est un peu cassé mon Gohan du coup là. Gohan, oui, c'est vrai que. Il y a beaucoup de gens qui me saoulent avec ça. On dit Sang Gohan, on dit pas Sang Gohan. Alors tu respectes la prononciation. Oui monsieur. Bon, écoutez, ce sera tout pour cet épisode numéro 16. Je suis paumé, hein, je vous le dis, je suis dans les vapes ce matin. De notre aventure sur, j'allais dire Spyro 2, ok, Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et à la prochaine, donc soit sur Jack 3, soit sur Xenoverse. Voilà, tout simplement. Donc je vous fais des bisous, et à la prochaine. Allez, salut!